Depuis novembre 2020, Catherine Marshall prête ses traits à la chef Claire Guinaud dans la série Ici tout commence, qui connaît un franc succès. Un succès qui monterait à la tête de certains acteurs de la série si on en croit ses dires. Celle qui interprète la mère de Louis Guinaud, le fils illégitime d'Auguste Armand, s'est confiée à accorder un entretien à gala, pour le numéro papier de ce jeudi 26 août. Il semblerait donc qu'il y ait de l'eau dans le gaz sur le tournage. Dans l'interview accordée à Gala, elle évoque la conduite parfois désagréable de certains jeunes acteurs de la série, dont elle préfère taire les noms et les actes. Certains des jeunes acteurs sont rattrapés par la gloire. Je vois des comportements déplacés, déclare la mère de trois enfants. L'actrice se laisse même aller à quelques précisions aux allures de pique, ils devraient être alertés par le fait que leurs fans les appellent par les prénoms de leurs personnages et non par le leur. Ce n'est pas le comédien qui est populaire mais le personnage l'interprète d'Anaïs et Théo, les chouchous de Catherine? Nul n'est sans imaginer qu'un tournage avec autant de diversité générationnelle implique parfois quelques frictions. Cependant Claire Marshall qui déteste que l'on retouche ses rides à l'image, s'est véritablement nouée d'affection pour Khaled Alouache et Julie Sassou, qui interprètent respectivement Théo Tessier et Anaïs Grimbert, qu'elle trouve très juste et pour qui elle prédit une ascension fulgurante. Quant à ses camarades de jeu précédemment évoqués, elle garde quand même une certaine bienveillance au-delà de l'agacement, pour rester indulgente, j'essaie toujours de me demander comment j'aurais pris une telle popularité à leur âge.